04. Oui. Reste dos au mur, déjà je t'ai pas demandé de te tourner. Ensuite, je voudrais savoir, toi qui es officier instructeur, est-ce que tu veux une leçon? Parce que tout à l'heure je l'ai donné à vos collègues là, mais je crois que t'as c'est t'as dit une leçon. Ben, une leçon, tu donnes des leçons vu que tu es instructeur, non? Bah, dites-moi, je vous écoute. J'ai tout pris là-bas. Ne donnez pas des armes de PPA à n'importe qui. Parce que là, votre collègue, il a pris une balle tête. On a pris radio, pourquoi téléphone, on a tout jeté par terre. Vous avez donné une arme de PPA et que vous avez été niqué avec nous. Les poyos, vous êtes tous là? Ouais, ils sont là. Non, mais ils sont tous là ou pas? Oui. Vous êtes que 4 en service. Tu l'as toujours en joue, Bah écoutez, non, au moins on est. Ouais, on est. Bah oui, si vous le pas. À peu près, ça ça veut dire que là, on a pris toute la police de Los Santos en otage, à peu près. Je crois, hein. Sans compter les petits disséminés à travers la ville qui n'ont pas entendu l'appel. Ok. Tenez-moi ta radio. C'est quoi la... Ah non, mais je peux pas, putain, c'est une radio privée, je crois. Ouais, c'est une radio privée. Il est où le Ochoa que vous avez pris, qui est en cellule, exactement? Bah, il est en cellule. Vous avez dit quoi? En cellule. Sinon, les pros, on va tous au commissariat avec eux. Et je dirais une balle, je vais pas triper. Et quoi, on vous invite chez nous, mais je sais qu'il pas. Y a des milliers de personnes. On peut pas vous rapporter au commissariat, il y a plus de 200 agents. Bon, est-ce que tu sens ça dans ta tête là? Ah, désolé. Okay. Et faut être logique. Faut être logique. C'est moi qui parle. Ok. Faites sortir monsieur Ochoa. C'est qui monsieur Ochoa? Bah, lequel? Il s'appelle comment? Le Colombien. Bah, vous avez pas son nom? Le Colombien, tout le monde le connaît, le Colombien. Non. Il crie partout en ville qui il est, ce qu'il fait, allez! Moi, le Colombien, ça me dit pas grand chose. Hein. Les Colombiens, il y en a des centaines. Je pense qu'une balle dans le pied, ça va leur rafraîchir la mémoire, non? Vous avez capturé qui ce soir? Il faut que je regarde des rapports pour avoir l'homme, je les connais pas. Peut-être demander au commandant, lui, il saura, à mon avis. Exactement, demander au commandant. Je vous parle à vous. Responsabilisation, toi, tu vas prendre une balle. Il faut qu'on regarde des rapports, je connais pas leur nom. Comment ça? Bah écoutez, je sais pas, demandez au commandant, c'est tout. Je sais pas, je vous dis. Demandez au commandant les rapports d'arrestation de ce soir, qu'ils ont capturé les noms. Non, il va voir sur l'application, tiens. Retourne-toi au milieu. Tiens ton téléphone et dis-moi qui vous avez arrêté ce soir. Et on observe, fais pas de faux mouvements. Regardez son téléphone, qu'il fasse pas autre chose que ce qu'on lui a dit. Ah, je regarde. Et bah, il en a des notifications. Oh putain. Voilà, Tinder. Il faut qu'il demande en radio à ses agents. Tinder, Mythique, waouh, ça y va, hein. J'arrive, je prends la radio du commando. Alors, le rapport? Attendez, je vais vous dire un peu, on a Miguel Ochoa. Si. C'est bon. Lisandro Ochoa. Si. Taylor, attendez, je me retrouve son nom. Taylor. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Taylor Hanson et Jesse McCall. Ils ont fait quoi? Les motifs d'arrestation. Bon, tu sais lire ou quoi là? Attendez, j'ai le temps de chercher, non? Nous avons des refus d'obtempérer, des excès de vitesse. Nous avons quoi? Des conduites dangereuses, nous avons des... C'est tout, ils sont arrêtés juste pour ça. Nous avons des soupçons et nous menons actuellement des enquêtes. Des soupçons sur quoi? Et une enquête sur quoi? Des soupçons sur un probable kidnapping et un probable braquage de banque. D'accord. Donc ce sont vos principaux suspects. Je pense. Appel au sein de la LSPD. Savoir s'il y a des gens qui sont restés et s'ils peuvent m'en faire sortir le Colombien. Je peux reprendre ma radio, ce sera plus simple. Tiens. Je frappe ton téléphone. À toutes les unités, ici 12, est-ce qu'il y a d'autres agents en service à part le commandant? Très bien, vous voulez que je fasse libérer qui? Le Colombien. Le Colombien, c'est quoi son nom? Je vous ai donné 4 noms. Dites-lui le Colombien. Il est métis et il a une queue de cheval. Qui vous avez en cellule comme ça? Et souvent une chemise à fleurs. Vous pouvez pas demander au commandant, ça sera plus rapide en fait. Un des deux des Bloods, allez me le chercher à l'LSPD.
Comment ça qu'il veut pas? Non, allez demander au commandant, mais si vous voulez, j'ai un agent en ligne là. Vous voulez que je lui dise de. Ah, il est à la liste PD? Je sais pas. 05, oh. Vous êtes où? Les blues, allez-y. Allez me le chercher. Ok, mais alors on est en condition qu'on attendez, se fasse attendez. Patrouiller quoi. Ah non, attendez, attendez. Y a des hommes qui vont sûrement arriver au commissariat venir chercher un colombien qui vont vous demander de le faire sortir de cellule. Ces hommes. Est-ce que je peux dire que vous nous détenez en otage? De toute façon, il doit être au courant. Ouais. Ces hommes nous détiennent en otage 99 mois et 04 et sont en train de parler avec le commandant. Ils demandent la libération du colombien avec les chemises à fleurs. La récupération. La récupération. Par contre, tu dis pas qui en est. Oui, ce colombien là. Oui. Il va me le déposer quelque part. Très bien. Il vous attend au poste. Non. Trop facile. Tu lui dis qu'il le prenne, qu'il le menotte et qu'il va me l'emmener, je veux dire, ça où? Ils veulent pas venir au poste, faut que ce soit qu'ils le rejoignent autre part. Un seul agent, avec une voiture et le colombien, et il le ramène à l'entrée des docks, et nous on le récupère. C'est où l'entrée des docks? Là on est rentré. De la ville. Si, tu lui dis qu'il vient. Qui okay, nous rejoint au pont. Non, le pont, entre... Est-ce que vous pouvez amener le colombien jusqu'au pont à l'entrée des docks? Ah là, perfecto. Qui viennent peut-être seuls et non armés. Près des quartiers, là, le pont qui amène au dock. Vous et le colombien dans une voiture, venez seuls. Je transmets. Très bien, il demande comme il est seul que ce soit... Que quelques personnes qui ont besoin de lui parler qui se déplacent et ne souhaite pas amener le colombien ici sachant qu'il est seul, il a besoin de parler aux personnes qui ont besoin de parler. Comment ça? Dans un lieu pas où il y a tout le monde quoi. Je te demande de ramener le colombien. Soit c'est vous, soit c'est sa peau à lui, soit c'est votre peau. Vous devez choisir. Tu vas venir avec nous. Tu vas venir avec nous. Un mec en cellule ou quatre agents de police? Allez, viens avec moi. Je viens avec toi si tu veux. Le L est un... Non, attends, faut qu'on soit que 3. Le moi, L va venir avec moi. Surveillez-moi celui-là. Allez, viens avec moi, Boyos. C'est lequel grade qu'on a là avec nous? Oui, je vais vous donner des nouvelles. Bon, le premier qui bouge, vous avez compris, il finit comme l'autre tout à l'heure qui voulait pas baisser. Je vais aller chercher l'autre, tu vois. Restez en position. C'est quand même la gueule, le Boyos. Je pense qu'on a été assez persuasif. Vous allez pouvez vous rapprocher. C'est bon. Mettez-vous à genoux. Non. Éloigne-les. D'accord. Si tu veux pas mettre la tête dans le conteneur, parce que tu te fais mal à la tête, j'ai l'impression là. 1 hour later. Oula. Allez, c'est parti les hermanos, vamos. Allez. D'accord. Vous avez tous la position ou pas? On l'a les gars. Vous l'avez la position les bloods? Non, monsieur. Vas-y. Ok, ça marche. Vamos. On peut tirer quand on part ou pas? On tire pas sur les cartes. Non. Tirez pas. Le dé. Marche arrière. Ouais, hein. Fais attention. Allez, bonne soirée. Ok, ça marche. On est bien d'accord. Le port est juste à côté du. Sur l'autre rive du. Ne vous faites pas suivre, par favor. On leur a crevé les pneus. Crevés, donc ça devrait être bon. On a crevé les 4 pneus à chaque fois. Thank you.
garage, je t'envoie une position, tu me dis si c'est bien ce garage là, mais je pense que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est lequel? C'est celui qui est au sud. Je t'envoie la pause. Ça marche. Tu as reçu? Ah bah si, si, c'est celui-là, si, c'est celui-là, c'est celui-là, ok, ça marche. Vas-y. Suivez, suivez les blues et tout. Suivez, suivez. Je t'ai mis la pause. Ok, ça. Derrière, les gars, Hermano là. Attention, putain, attention, qu'est-ce que tu fais? Je regardais derrière. Je regardais derrière si on n'était pas suivi. Vas-y. J'entendais des attention. Quand tu veux regarder derrière, dis-moi, moi je regarde, toi tu conduis, gros. Ah, désolé. Ah, il est là! Ah, attends. Oui, c'est bon. Il est là, putain de sa mère. Il est là. Moi, c'est Migo le Choa. Hola, puto! C'est ce que je me disais bien. Hola! Ça va, nos informations, elles sont bonnes. Yo soy José González. Tu te souviens de moi? Non. Tu es venu un jour faire le fou dans le quartier, chez les Bloods. Ouais, et alors? Et un jour, j'ai été enlevé à ce qu'on m'a dit. Et bon, je vais laisser mes amis parler. D'accord, mais bien. Laisse-moi me présenter aussi. En face de toi, tu as Leon Juarez, frère de Tonio Juarez. Quand on parle, on dit enchanté. On t'a pas appris de bonne manière? Chanté. Si. Eh ben, y a du monde, hein. On est plus nombreux si. Que vos membres de nuls, là. Vas-y, présentez-vous, les hermanos. La vache. Y a du monde de fourneau, hein. Présente-toi, le 1. Si. T'es pas habitué à avoir autant de monde, ça se voit. Moi, il m'appelle. Moi, ouais, si, j'ai l'habitude d'un salut. Antonio Juarez. Hermano de Juarez. De Tonio et de Léa. D'accord. Et donc donc, bah, tu te présentes ou pas? Oh si, ça me fait plaisir.